Né avec le canal du Ronasset en 1805, le port de plaisance de Bellegarde est d'abord une petite halte pour le transport des barriques de vin et autres marchandises à destination de la ville sétoise. Il sert aussi de relais pour la circulation du courrier et des voyageurs. Son activité étant liée à celle du canal, il entrera dans l'oubli à partir des années 70, suite à la construction du barrage de Valabrègue et la fermeture de l'écluse de Beaucaire. Le port, qui abrite alors quelques péniches, renaîtra avec la politique de développement du tourisme fluvial, engagée à partir de 1995 par le département et cautionnée par la commune de Bellegarde. Cette dernière décidera de le transformer en un véritable port de plaisance, titre sous lequel il sera inauguré en juillet 99. Depuis 2005, le port est titulaire du pavillon bleu, grâce à ses qualités environnementales. Sa gestion relève aujourd'hui de la compétence intercommunale. À noter qu'une aire d'accueil pour les camping-cars y est également associée.